enfant avait reçu 2 balles dans la tête. Le logis était propre, humble, paisible, honnête. On voyait un rameau béni sur un portrait. Une vieille grand-mère était là qui pleurait. Nous le déshabillions en silence, sa bouche pâle s'ouvrait, la mort noyait son œil farouche. Ses bras pendants semblaient demander des appuis. Il avait dans sa poche une toupie en buis. Est-ce que ce n'est pas une chose qui navre ? Cria-t-elle. Monsieur, il n'avait pas 8 ans. Ses maîtres, il allait en classe, était content. Monsieur, quand il fallait que je fisse une lettre, c'est lui qui l'écrivait. Est-ce qu'on va se mettre à tuer des enfants maintenant ? Mon Dieu. On est donc des brigands, je vous demande un peu. Vous ne compreniez point, mère, la politique. Monsieur Napoléon, c'est son nom authentique. Est pauvre et même prince. Il aime les palais. Il lui convient d'avoir des chevaux, des palais, de l'argent pour son jeu, sa table, son alcôve, ses chasses. Par la même occasion, il sauve la famille, l'église et la société. Il veut avoir 5 loups, pleins de roses l'été, où viendront l'adorer les préfets et les maires. C'est pour cela qu'il faut que les vieilles grand-mères, de leurs pauvres doigts gris que fait trembler le temps, cousent dans le linceul des enfants de 7 ans.